Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour les fêtes, j'allais dire. Oui, justement, voilà, une recette festive. Recette facile et rapide, s'il te plaît. En plus, aujourd'hui, je te propose un grand classique de la cuisine, de la gastronomie française, c'est les bouchées à la reine. Un excellent plat à déguster durant les fêtes. Comme je t'ai dit, effectivement, c'est pas très compliqué à faire. Donc pour cette recette, il faudra évidemment des bouchées. Donc on les trouve, tu sais, ça c'est parfait, ça. Hein, c'est Tipiak qui fait ça. Donc tu veux dire que nous, on ne peut pas les faire, ces fameuses bouchées-là. On peut les faire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc soit vous l'achetez chez, tu sais, les boulangers aussi, te les vendent, tu sais, à garnir, des bouchées à garnir. Soit vous pouvez les faire vous-même si vous avez le temps. Parce qu'on rappelle que c'est à base de pâte feuilletée. C'est pâte feuilletée, exactement. Donc la pâte feuilletée, elle prend beaucoup de temps. Elle prend du temps. Mais ceux qui ont du temps, on vous met le lien de la pâte feuilletée. Voilà. Comme c'est dit aujourd'hui, ça va être rapide. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir. On n'a pas le temps. C'est demain le 31, on n'a pas le temps. Ben pour le 25 ou pour le 31, comme c'est vous voulez. Tout dépend. Des champignons, une petite boîte de champignons de Paris, du sel, du poivre, de l'ail. Du filet de poulet, il y a 200 grammes que j'ai détaillé en petits cubes, hein, tu vois, parce que voilà, pour pouvoir les garnir facilement, il ne faut pas que ce soit de gros morceaux. C'est pareil pour les champignons, c'est pas la peine d'acheter de gros champignons parce qu'il faudra les couper, les émincer petits, tu vois. Allez, ça va, ok. Ensuite. Ensuite, pour notre béchamel, on va avoir besoin de 30 g de beurre, 30 g de farine, un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir les champignons et le poulet. Et du lait, évidemment, 40 centilitres. Okay. Qu'on a commencé à faire préchauffer pour gagner du temps. Et on va commencer notre béchamel avec. Un roux, bon, je crois que tu connais un petit peu le principe du roux, c'est faire fondre le beurre. On va, donc, comme je t'ai dit, chauffer le lait et le beurre. On va attendre que le beurre fonde complètement. Alors, pour ne pas perdre de temps, on va faire cuire également les champignons dans un peu d'huile. Donc évidemment, on va les émincer. C'est pour ça, comme je t'ai dit, des petits champignons, ça fait très bien l'affaire. Comme ça, on les détaille comme ça, c'est parfait. Allez, on poursuit jusqu'à épuisement du stock. Voilà, donc le beurre a fondu, on va le retirer du feu et puis on va mettre d'un coup la farine. Et on va dissoudre la farine avec le beurre en attendant que le lait se mette à bouillir. Voilà, donc on a environ 200 g de champignons. Qu'on va faire revenir quelques minutes dans notre huile chaude. Allez, un petit coup de sel et de poivre. Et on poursuit encore quelques minutes. Pendant ce temps-là, il y a le lait qui est en train de monter. Ah, bientôt, bientôt, là. On va faire notre béchamel. Allez, c'est parti. Donc, on intègre en deux fois le lait. Attention aux éclaboussures. Donc, une première partie, on va remuer. En deux fois. Donc on va fouetter jusqu'à épaississement. Ça va être assez rapide. Un peu de sel et de poivre, comme d'hab. Voilà, nos champignons commencent à avoir une belle couleur. On va les mettre un petit peu de côté comme ça pour faire cuire le poulet. Le filet qui va bien s'imprégner des saveurs du champignon. Alors, on met de côté un peu le champignon et on fait cuire nos dés de poulet en
surveille notre béchamel. Tu vois, elle a bien épaissi. On peut dire que cette recette nécessite multitâche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était pas évident. Parce que si on oublie quelque chose, bah, c'est terminé. Eh ben écoute, faut être Shiva, tu sais, faut avoir plusieurs mains, plusieurs bras. Allez, on va éteindre et on va poursuivre la cuisson du poulet. On va saler un petit peu le poulet, poivre, et on va rajouter l'ail. Alors, on va tout mélanger ensemble. Voilà, écoute, le poulet est cuit. Donc ça a pris quoi, environ 7 minutes environ, ouais. Entre la cuisson des champignons plus le poulet, on va intégrer la béchamel. On peut dire que la béchamel a une bonne consistance. Là. Oui, on va. De toute façon, tu sais qu'en refroidissant, elle va épaissir. Hein. Donc, on remet sur le feu légèrement. Voilà, tu vois la texture, elle est parfaite. Elle s'est épaissie, effectivement. Là, ça fait ruban. Ouais, en fait, voilà. Ça coule pas. Donc là, on est bon. On est bon, c'est parfait. Alors, on est bon pour garnir les fameux vol-au-vent. Oui. Donc, alors, deux options. Vous les réchauffez à l'avance avant de les garnir, ou tu les garnis et puis tu les fais chauffer. Évidemment. Tu veux dire que le résultat est le même? Bah écoute, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Enfin voilà, faites comme vous le sentez. Donc, soit vous le faites avant, soit vous le faites après. Nous on va le faire après, c'est ça. Alors, on enlève le petit chapeau hein, qu'on va garder quand même. Oui, tu es obligé d'enlever parce que sinon on ne peut pas les garnir. Exactement. Voilà, donc ça laisse pas mal de place pour le garnir. Parfait, hein. C'est parfait. Voilà, donc on a découpé les petits chapeaux qu'on met évidemment de côté et on va tout simplement les garnir. Et c'est parti! Superbe. Voilà, je te laisse finir. On met petits chapeaux comme ça. Ouais, super. Mais ça, tu le mets à la fin ou tu le mets après la cuisson ou c'est avant? Alors, tu peux le mettre pendant le préchauffage. Voilà, 7-8 minutes dans le four pour que le feu. À combien de 180-200 à peu près. Voilà, pour que le feuilletage retrouve son croustillant. Ouais, je vais continuer de les garnir. À tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, mon cher Stony, écoute, la recette est finie. On va juste les comme je t'ai dit, les préchauffer. 7-8 minutes dans un four. Ah, tu veux dire que la vidéo est terminée? Eh oui, c'est fini, c'est fini. Je croyais que tu allais les enfourner, qu'on allait. On va les enfourner, on passe à table. Ah, direct, cash. Bon, bah écoute, ça va. Bah écoutez, les gars, la recette est terminée. Regardez ce que ça donne. Ah, c'est super, tu vois. Évidemment, vous ne verrez pas la différence après cuisson, puisque en fait. Oui, c'est pareil. Parce que ça, c'est déjà pré-cuit, tout ça est déjà cuit. C'est ça. C'est donc, nous, c'est juste pour que lié ce croustillant. Et un peu de chaleur, évidemment. Exactement. Donc, en tout cas, bravo, Max, pour cette recette, on va dire, assez rapide. Oui, oui. Genre 10 minutes, un quart d'heure maximum, à peu près. Allez, on va dire 25 minutes. Ah ouais, quand même, d'accord. Entre la cuisson des champignons, du poulet, la béchamel. Bon. Enfin, moi, j'ai pas senti la rapidité. c'était super rapide, en tout cas, bravo. En tout cas, on vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes. Eh oui, bonne fête en famille, à tous, évidemment, en famille ou entre amis. Profitez bien. Voilà, passez ça tranquillement. Et n'hésitez pas à checker nos playlists. Vous allez trouver votre beurre. Forcément une recette. Forcément, vous allez vous régaler. Hein. Merci à tous. Merci également pour votre soutien, pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Sucré. On sera toujours là, même en vacances. À bientôt, allez, les amis. Très, très bonne fête. À plus. Ciao.